et plusieurs processus dans une seule page, regardez toujours lequel est sélectionné. Donc on voit qu'il y a une petite bordure noire autour, ça dit le celui qui est sélectionné. Parce que quand en fait on appuie sur Run pour exécuter, ça va les déployer, tous les processus de la page, donc les trois, mais par défaut, commencer à lancer le processus sélectionné.